I have long believed that a society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for human spaceflight. What happened in this last year is truly phenomenal. Space Station today is the largest and most capable space station ever flown. Soyuz rocket beginning the first expedition to the International Space Station and setting the stage for permanent human presence in space. Je suis très heureux d'être ici avec vous et de vous faire participer à cet enthousiasme des sciences qui est visiblement répandu dans toute la salle. Alors, je vais parler de la complexité et je me doutais un petit peu de ce qu'allait dire Jean-Marc Lévy-Leblanc et je vais dire un peu le contraire. D'ailleurs, je vais dire que je crois qu'il y a une forme de théorie universelle de la complexité, que le concept de complexité ou que les concepts de complexité peuvent en partie être mathématisés et que cela peut être utile en biologie, en physique, etc. Donc vous voyez, je suis un peu sur une position inverse de celle de Jean-Marc. Alors, on dit, là pour l'instant j'ai mis des points d'interrogation derrière chacune des phrases pour montrer que je ne les prends pas à mon compte, l'univers se complexifie, voilà, on peut discuter, on peut dire que non. L'évolution biologique passe de formes simples à d'autres plus complexes. Les objets technologiques, voitures, ordinateurs, téléphones, sont de plus en plus complexes. Tout le monde a envie de dire ça quand même. Les sciences proposent des théories de plus en plus complexes. Jean-Marc l'a illustré tout à l'heure. Bon, mais quand on parle de complexité de cette façon-là, la question se pose, qu'est-ce qu'on veut dire par complexité? Quelle est cette complexité ou quelles sont ces complexités? Puisque je vais expliquer qu'on doit en distinguer deux au moins. Et si possible, pour que les choses soient concrètes, soient utilisables en science, peut-on les mesurer et comment les mesurer? Donc ce sont de vieilles questions. Et ce que je vais dire, c'est qu'il y a un renouvellement des questions et des réponses à ces questions dues à la théorie du calcul. Donc la théorie du calcul, elle est née dans les années 1930. C'est le résultat des travaux de logiciens comme Kurt Gödel, Alan Turing, tout le monde connaît Alan Turing maintenant, Stefan Klein, et puis d'autres, Kleene, on dit aussi. Alors, j'ai écrit ce transparent en imaginant ce qu'allait dire Jean-Marc Lévy-Leblanc. Alors voilà, donc il dit « De nombreuses sciences rencontrent la complexité ». Oui, mais cela conduit-il vraiment à une science de la complexité? C'est loin d'être évident. Je suis d'accord avec lui. Mais moi, ce que je ressens, ce que je pense, c'est qu'il existe quand même, grâce à la théorie de la calculabilité, née donc dans les années 1930, comme je l'évoquais, quelque chose qui fournit un fondement, alors là j'emploie des gros mots que j'ai mis en rouge, général et universel, à une théorie de la complexité. C'est la théorie algorithmique de l'information, qui est née un peu plus tard, mais sur les bases de la théorie de la calculabilité, qui est née vers 1965. Et je dis, elle concerne toutes les disciplines, sans qu'elle prétende répondre à toutes les questions de ces disciplines, bien évidemment. Et je dis, le parallèle qu'on doit faire, c'est celui qu'on peut faire en pensant à la géométrie ou à la topologie, qui fournissent des fondements, qu'on peut qualifier de généraux et universaux, universels, à tout ce qu'on peut dire sur l'espace ou les espaces dans toutes les disciplines. Donc il existe bien des situations dans le domaine scientifique où une théorie mathématique, sans prétendre résoudre les problèmes spécifiques de chaque science, pose les bases d'une théorie universelle, donc des espaces quand il s'agit de la géométrie et de la topologie. Et puis, ce que je vais essayer de défendre comme idée, c'est qu'on peut poser les
base d'une théorie universelle de la complexité grâce à la théorie du calcul. La différence entre la géométrie, la topologie et la théorie du calcul, donc la théorie de la complexité de Kolmogorov, c'est qu'elle est plus récente. Elle est née dans les années 1930, je disais, pour la théorie du calcul. La théorie de la complexité de Kolmogorov est née dans les années 1960, donc c'est plus récent. Et donc aujourd'hui, elle est moins connue. Les outils pour l'utiliser pratiquement sont peu développés et peu diffusés. Mais je dis, il y a un espoir que cette théorie se développe et puisse servir dans toutes les sciences. Alors, je vais me limiter. Je ne vais pas parler de la complexité de toute chose, de toute théorie, de tout processus, de toute fonction, je ne sais pas quoi. Je vais me limiter aux objets numériques finis, donc en particulier aux images, les images définies pixel par pixel, ou au son numérique, ou à tout ce qui se ramène à des objets qu'on traite en informatique. Donc je vais parler, quand je vais parler de complexité, je ne vais pas parler de la complexité des objets du monde physique. Est-ce qu'on peut les ramener à des objets numériques finis? C'est une question qu'on peut discuter, je ne vais pas la discuter, mais je vais parler de la complexité des objets finis. Donc de tout ce qui se ramène à des suites de 0 et de 1, et c'est de, cette de ces objets et de la complexité de ces objets-là dont je vais essayer de parler. Alors, il faut réfléchir à la notion de complexité. C'est ce qu'a proposé Jean-Marc, et je vais le faire aussi. Et ce que je vais dire ne contredit pas du tout ce qu'il dit sur ce point-là. Considérons la suite, par exemple, de 50 zéros. Bon. Et considérons une autre suite. Donc là, ce sont des chiffres décimaux. 2, 6, 3, 5, etc. Bon, il est clair que la première est plus simple que la seconde. L'usage courant qu'on fait du mot complexe va effectivement opposer la première suite qui va être qualifiée de simple à la seconde qui va être qualifiée de complexe. Mais si on réfléchit à la notion, toujours avec, à propos d'objets numériques, eh bien, je pense qu'on arrive inévitablement à la conclusion, et j'ai remarqué ça dans l'exposé de Jean-Marc, là-dessus, il me semble qu'on est d'accord, c'est qu'en fait, il y a deux notions de complexité. Il y a une notion où on va parler de complexité liée au désordre. Alors, c'est ce que je vais appeler la complexité aléatoire. Et en fait, la mesure de cette complexité aléatoire va être obtenue en prenant en compte la façon la plus courte, la plus efficace de réduire la définition donc des suites numériques, donc des objets numériques que je vais considérer. Donc c'est une complexité en termes de contenu minimum d'informations, de contenu incompressible d'informations, c'est le mot que je vais employer. Et puis il y a une autre complexité, et il ne faut pas les confondre. Et le sens commun les confond, et je pense que beaucoup de confusion à propos de la complexité et de l'usage du mot complexité, aussi bien dans le langage courant que dans les sciences, beaucoup de confusion vient de cette non-distinction entre la complexité aléatoire et la complexité organisée. La complexité organisée, c'est la quantité de structures, la richesse en informations structurées et non-triviales qu'il peut y avoir dans un objet. Et les deux choses ne sont pas identiques. Le contenu incompressible d'informations et le contenu en structure, la richesse en structure, ce sont deux choses différentes. Et je vais essayer d'expliquer ça, et je vais présenter l'état de la science mathématique et informatique sur cette distinction et sur les méthodes qu'on peut mettre en œuvre pour mesurer cette complexité aléatoire et cette complexité organisée. Alors en fait, la deuxième suite que j'ai présentée, c'était un petit peu un piège. Ce sont les chiffres du nombre pi après 3,14159. Je n'ai pas mis le 3,14159 parce que vous auriez reconnu, mais derrière 3,14159, il y a 26, 535, 89, 79, etc. Ce sont les chiffres de pi. Et ça, ce n'est pas de la complexité aléatoire. Ça ressemble à de la complexité aléatoire. Quand on le voit comme ça, sans être informé que c'est les chiffres de pi, c'est de la complexité. On a l'impression que c'est de la complexité aléatoire. Mais en fait, c'est un objet qui est très structuré. Les décimales de pi, si vous en changez une seule, ce n'est plus les décimales de pi. Et donc, en fait, il y a une structure cachée dans les décimales de pi. Et en fait, c'est de la complexité organisée, c'est de la complexité. Je vais parfois employer le mot de complexité structurelle, mais masquée. Et bien évidemment, bien, dans le monde courant, dans les images qu'on rencontre du monde courant, par exemple, si on parle d'images numériques, bien souvent la complexité sera cachée, ou en partie cachée. Pi est déterminé, unique, il n'est sujet à aucune variation,
Sa structure est cachée, mais il n'est en rien désordonné. La complexité aléatoire ne sera pas toujours facile donc, de distinguer de la complexité organisée. Un autre exemple de complexité organisée, plus facile à voir, et on pourrait le faire sous la forme d'une sorte d'exercice, c'est de considérer la suite de 0 et de 1 qui est là. Donc en l'examinant, il y a la solution sur le transparent, alors vous n'avez pas besoin de réfléchir, mais en l'examinant quelques minutes, vous arriveriez à déchiffrer la structure de cette suite, qui pourtant, au premier regard, semble un petit peu aléatoire. Mais en la regardant de près, vous vous apercevriez que, en fait, elle est générée par un processus itératif qui est assez simple. On part de 0, à côté du 0, on écrit le complément de 0, c'est-à-dire 1. On recommence l'opération. À côté de 0,1, on écrit le complément de 0,1, c'est 1,0. Et donc on obtient la troisième ligne, 0,1,1,0. Et puis on recommence et on obtient cette suite qui est ici. Donc qui est parfaitement structurée, pas d'une manière triviale, elle n'est pas périodique. Elle a d'ailleurs une propriété qui intéresse les joueurs d'échecs, c'est qu'elle ne contient ce qu'on appelle en informatique théorique aucun cube. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une suite finie de 0 et de 1 qui se répète trois fois de suite dans cette suite. Donc elle est non périodique, mais beaucoup plus que ça, elle ne contient aucune répétition triple d'un mot en elle-même. Alors, un autre exemple de complexité organisée, ce sont les fractales, les images fractales, le plus souvent, et celle-ci en particulier. Pourquoi c'est de la complexité organisée ? On a l'impression que c'est très compliqué, mais en fait, le programme qui engendre une image comme ça, il est assez simple, je ne vais pas dire très simple, mais enfin, il est assez simple, il tient en quelques lignes, qui engendrent pas mal de calculs pour calculer tous les pixels qui apparaissent ici. Enfin, pas tous ici, puisque la projection est relativement limitée en définition. Mais il y a pas mal de calculs, mais en fait, la formule qui engendre ce dessin est assez simple. Et donc, il y a une organisation qu'on perçoit d'ailleurs. On voit bien qu'il y a des choses qui se ressemblent d'un point à l'autre du dessin, qu'il y a des invariances, des motifs qui sont recopiés ou recopiés approximativement, etc. Donc c'est un exemple aussi de complexité organisée. Alors, les mathématiciens prétendent avoir défini une mesure de cette complexité, non pas organisée, ça j'y reviendrai plus tard, mais de la complexité aléatoire, donc le contenu incompressible d'informations. Et ce contenu incompressible d'informations, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la complexité de Kolmogorov, donc définie par le grand physicien et mathématicien russe Kolmogorov en 1965. Et cette définition, elle est très simple et elle fait appel à une notion informatique, j'y peux rien, ou on pourrait dire de logique mathématique, la notion de programme. Et la complexité de Kolmogorov, par définition, d'une suite S, donc une suite finie de 0 et de 1, on se ramène à ça, hein, j'ai bien expliqué, c'est la longueur du plus court programme, on va l'appeler S étoile, qui engendre S. Voilà, vous avez un objet, une image, une suite de 0 et de 1, et vous recherchez le programme le plus court, donc dans le langage de programmation que vous préférez, que vous connaissez le mieux, qui engendre la suite S. Et ce programme le plus court, il a une certaine taille, qu'on mesure en nombre de caractères. On va ramener ça à des digits, donc à des 0 et des 1, et cette taille en nombre de digits, ça va être la complexité de Kolmogorov de S. Voilà, donc c'est ça la définition de Kolmogorov. Je vais l'illustrer et l'expliquer un petit peu. D'abord, quelle est son idée ? Son idée, c'est une des idées qui a été évoquée par Jean-Marc tout à l'heure. Est simple, alors il ne l'a pas dit exactement comme ça, mais ce qu'il évoquait, c'était cette idée-là. Est simple ce qui se décrit brièvement. Ici, le langage de description ou le mode de description qu'on utilise ou qu'on évoque, c'est un langage de programmation. Un langage de programmation, c'est quelque chose qui décrit des objets, ou en tout cas qu'on peut utiliser pour décrire des objets, pour décrire des images, pour décrire des suites de 0 et de 1. Eh bien, l'idée qui est exprimée par Kolmogorov, c'est l'idée que la complexité d'une suite de 0 et de 1, c'est la taille du plus court programme qui engendre l'objet en question, donc va être simple ce qui se décrit brièvement et sera considéré comme complexe, comme ayant une forte complexité, ce qui ne peut pas se décrire brièvement. Dans cette définition, on ne prend pas en compte le temps de calcul. Je le mentionne au passage, et je mentionne aussi au passage qu'il y a des variantes qui existent, mais je ne vais pas en parler. On se ramène à des suites de finies de 0 et de 1, j'ai déjà expliqué que c'était quelque chose qu'on pouvait discuter, mais aujourd'hui,
où tout le monde utilise des ordinateurs, on sait très bien que les images se ramènent avec la une définition aussi grande qu'on veut à des suites de 0 et de 1. De la même façon, les textes, la musique, les films, etc. Donc le fait de se limiter à des suites de 0 et de 1 n'est finalement peut-être pas si restrictif que ça. Je l'ai déjà dit, la suite S étoile, donc le programme minimal, pour avoir une homogénéité dans les mesures de taille, on l'écrira en binaire. Donc on fera une petite conversion pour qu'elle soit écrite en binaire et non pas en caractères avec des lettres, des choses comme ça. Alors, si vous êtes un peu mathématicien, ou même simplement si vous voulez avoir un peu de cohérence dans les propos que vous tenez et que vous pensez à cette définition, la première chose que vous vous demandez, c'est « Oui, mais quand je change de langage de programmation, est-ce que la définition change beaucoup? Est-ce que la mesure de complexité de Kolmogorov en utilisant le langage ADA, par exemple, ou le langage Pascal, ou le langage C++, va être la même qu'en utilisant un autre langage? Est-ce que quand on change de langage de programmation, on change beaucoup la complexité de Kolmogorov? Si c'est oui, et s'il n'y a aucun contrôle, aucune majoration de cette variation quand on change de langage, la notion va être inutile, puisqu'elle sera relative à un langage, ça sera insatisfaisant. Il se trouve, et c'est un résultat qui a été démontré dès l'origine, en 1965, par Kolmogorov, que lorsqu'on change, alors bon, la façon dont ça s'est exprimé ici sur le transparent n'a pas d'importance, mais ce que ça signifie, c'est que lorsqu'on change de langage de programmation, eh bien en fait, la complexité de Kolmogorov peut changer, mais elle peut changer au plus d'une constante additive près. Donc, l'écart qu'on pourra avoir quand on utilise un certain langage L ou un certain langage M sera majoré par une constante. Et donc, du coup, quand les suites seront longues, pour les suites courtes, ça posera un problème, puisqu'effectivement, il n'y aura pas une bonne mesure de complexité de Kolmogorov pour les suites courtes. Ça ne sera pas facile à justifier. Mais lorsqu'on aura des suites longues, eh bien, l'écart étant majoré par une constante, on aura quelque chose qui sera très stable. Ça ne sera pas parfaitement stable, mais ça sera très stable, puisqu'il y aura une constante qui majorera l'écart entre les deux. Alors, je donne quelques exemples élémentaires pour illustrer la notion et la faire comprendre. Si on prend un milliard de zéros, donc c'est une suite qui est très longue, mais en fait elle est très simple. Pourquoi elle est très simple? Parce qu'il existe des programmes. Ici j'ai écrit une ligne qui pourra apparaître dans un pseudo-langage qui engendrerait ce milliard de chiffres zéros. C'est pour i variant de 1 jusqu'à 1 milliard, imprimer 0. Voilà, ça engendre la suite de 1 milliard de 0. Et ça tient en une ligne. Et ça fait donc une vingtaine de caractères à peu près. Ce qui veut dire que, du point de vue de Kolmogorov, 1 milliard de 0, c'est quelque chose qui est simple, ce qui est conforme à notre intuition. Alors, exemple un peu plus intéressant, je considère cette fois-ci 1 milliard de chiffres binaires de pi. Donc, je prends des chiffres binaires puisqu'on est au binaire. Donc, ça fait ce que j'ai écrit ici. Ça commence par 1, 1. Ensuite, il y a la virgule, connotée par un point. Et puis ensuite, 0, 0, 1, etc. Et c'est les vrais chiffres binaires de pi. Vous pouvez les vérifier. En fait, c'est quelque chose qui a une assez faible complexité de Kolmogorov. 1 milliard de chiffres de pi, c'est... Contrairement à ce qu'on peut avoir comme impression quand on regarde ce milliard de chiffres de pi et qu'on n'y voit pas d'ordre, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, eh bien en fait ça a une assez faible complexité de Kolmogorov. Et c'est très facile à voir, il suffit d'écrire des programmes courts qui vont engendrer ce milliard de chiffres de pi. Alors ici j'ai indiqué, parce que c'est une sorte d'exploit informatique, un programme C de 158 caractères qui engendre 2400 décimales de pi, donc c'est des décimales, c'est même pas des chiffres binaires, il fait 4 lignes. Mais il y a mieux que ça. Il y a celui-ci qui engendre 15 000 décimales de pi et qui est un tout petit peu plus long. Alors le principe de ces programmes, je l'explique quand même, c'est qu'on utilise les formules que l'analyse mathématique a découvertes pour calculer pi. Donc ici c'est une formule, je pense, basée avec des arcs sinus, je pense. On les programme d'une manière astucieuse, et en fait, la formule qui est utilisée dans les programmes que je viens d'évoquer, c'est la formule qui est écrite ici pour pi. Il existe des formules pour pi qui sont assez simples. Ces formules engendrent des programmes qui sont assez courts, et du coup, on justifie que la complexité de Kolmogorov d'un milliard de chiffres binaires de pi est courte et petite, la complexité. Et puis, un exploit plus récent avec des nouveaux langages de programmation, c'est un programme qui s'appelle Haskell. Les quatre lignes qui sont ici,
permettent de calculer les chiffres de pi indéfiniment. C'est-à-dire que quand vous allez lancer votre machine, ça finira par s'arrêter, évidemment, parce qu'à un moment donné, vous aurez épuisé toutes les ressources de la machine, vous aurez consommé sa mémoire, etc. Mais en théorie, si votre machine n'était pas limitée en mémoire et si vous étiez assez patient, ben, ça calcule toutes les décimales de pi. Et ça tient en quatre lignes. Troisième exemple, je ne veux pas le détailler, si celui-là je vais le détailler un petit peu, c'est le quatrième que je vais passer plus rapidement. Maintenant, est-ce que la plupart des suites ont une faible complexité de Kolmogorov ou est-ce que c'est rare d'avoir une grande complexité de Kolmogorov? Il faut avoir en tête l'idée qu'il y a une façon très simple, par exemple, de calculer, d'écrire un programme qui calcule 50 décimales de pi. Il y a une façon très simple d'écrire un programme qui calcule 50 décimales de pi. C'est de les connaître et d'écrire print, ouvrez les guillemets, puis vous écrivez les 50 décimales. Bon, alors, c'est de la triche, sauf que c'est quand même un programme qui engendre les 50 premières décimales de pi si on en vit absolument d'en avoir un. Ce programme print, il faut bien l'avoir en tête parce qu'il signifie quelque chose. Il signifie que quelle que soit la suite qu'on se donne, il y a toujours un programme qui l'engendre et que ce programme, il va avoir comme longueur à peu près la longueur de la suite qu'on considère. Donc, il n'y aura jamais de complexité de Kolmogorov beaucoup supérieure à la longueur de la suite à laquelle on s'intéresse. La complexité de Kolmogorov va être, à quelques constantes près ou facteurs additifs près, va être majorée par la longueur de la suite à laquelle on s'intéresse. Alors la question, je la repose, est-ce qu'il y a maintenant beaucoup de suites qui ont une complexité de Kolmogorov de l'ordre de grandeur, de leur taille? Et la réponse est oui, presque toutes. Alors, je ne vais pas démontrer ce résultat-là, mais vous l'avez sur les transparents, donc si vous, ils sont disponibles à l'adresse internet, on ne pouvait pas très bien lire sur le premier transparent. Vous me la demandez si vous voulez, ou vous m'écrivez un mail, je vous la donnerai. Donc, vous aurez, si vous voulez, la démonstration de cette propriété, mais je l'énonce, elle est très intéressante. Il y a moins d'une suite sur 1000 qui a une complexité de Kolmogorov inférieure à n-10, où n est sa longueur. Quand vous prenez toutes les suites de longueur n, donc de longueur 1 million par exemple, il y en a moins d'une sur 10 qui a une complexité de Kolmogorov inférieure à 1 million moins 10. Donc c'est très rare. Le fait de pouvoir avoir un programme qui soit en longueur inférieure de 10 digits à la suite à laquelle on s'intéresse, c'est quelque chose qui se produit qu'une fois sur 1000. Sur 1024 exactement. Si on veut gagner 20 digits, c'est quelque chose qui est encore plus rare, c'est quelque chose qui ne se produit qu'une fois sur 1 million. Et donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que si vous prenez une suite au hasard, sa complexité de Kolmogorov, la plupart du temps, sera de l'ordre de grandeur de sa taille. Sauf de très rares exceptions. Finalement, les suites, comme la suite de 0, 1 milliard de 0, ou la suite des chiffres de pi, qui ont une complexité de Kolmogorov bien inférieure à leur longueur, ce sont des choses rares. Ce sont des choses très rares sur un plan statistique, sur un plan, si on cherchait à énumérer toutes les suites. Alors, je passe le raisonnement. En pratique, quand on voudra calculer la complexité de Kolmogorov, on utilisera des algorithmes de compression. Et alors, justement, vous pouvez avoir la réaction de dire « Oui, mais ce que vous venez de dire, c'est tout à fait contraire à mon expérience. Quand j'utilise un algorithme de compression pour des fichiers informatiques, ça marche à tous les coups. Il divise la taille des images par 10, il divise la taille des textes par 2 ou par 3 très facilement. Et donc, vous pouvez avoir l'impression que ce que je viens de dire, que les suites qui sont compressibles sont très rares. J'ai dit une fois sur 1 million pour gagner 20 digits. Eh bien, vous pouvez vous dire que l'expérience que vous avez, elle contredit ça. Alors, je justifie un petit peu et j'explique cette sorte de paradoxe, qui apparaît comme un paradoxe. En fait, la quasi-totalité des fichiers qu'on manipule ne sont pas aléatoires. On sait bien, par exemple, que dans un texte en français, les lettres ne sont pas utilisées avec une égale fréquence. Que derrière un Q, très probablement, il y a un U, par exemple. Etc. Il y a toutes sortes de propriétés particulières des textes écrits en français, mais dans toutes les langues c'est pareil, qui font que les textes ne sont pas du tout assimilables à des suites tirées au hasard, et qu'elles sont structurées. Et ce qu'exploitent les algorithmes de compression, et qui explique que effectivement les suites sont comprimées quand on les confie à des algorithmes de compression, c'est ces régularités qu'on trouve dans les textes, qu'on trouve aussi dans les images. À côté d'un point jaune, dans une image, il y a toutes les chances qu'il y ait un autre point jaune.
peut-être pas exactement de la même teinte très précisément, mais d'une teinte très proche. Et cette régularité dans les images, cette structure des images, évidemment, c'est ce qui est exploité par les algorithmes de compression d'images. Je précise quelque chose avant que j'ai oublié de le dire, c'est que quand je parle d'algorithmes de compression d'images ici, je n'évoque que des algorithmes de compression sans perte. Parce que si on accepte de perdre de l'information, évidemment, on peut tout compresser à un seul pixel, si on veut. Non. Donc on accepte, et je ne considère ici dans les exemples que je donne, que des algorithmes de compression sans perte. Par exemple, l'algorithme qui est utilisé dans les systèmes informatiques assez fréquemment pour stocker des images, l'algorithme PNG, donc qui produit des images en format PNG, est un algorithme de compression sans perte. Alors, exemple 4, mais je ne vais pas insister beaucoup dessus. Voilà, je considère une suite de 500 millions de chiffres binaire, et je double chaque suite, chaque élément de la suite. Donc le premier 0 devient 2 0, le premier 1, le 1 qui vient ensuite donne 2 1, le 1 qui vient ensuite donne 2 1, le 0 qui vient ensuite donne 2 0, etc. Je double tout, j'obtiens une suite de longueur 1 milliard. Bien, un petit raisonnement que je vous laisse deviner permet de voir que cette suite a une complexité de Kolmogorov de l'ordre de 500 millions. La première, sauf cas exceptionnel, va avoir une complexité de Kolmogorov de l'ordre de 500 millions. Donc sa complexité de Kolmogorov de 500 millions. Et la suite, qui est plus longue, elle est de longueur double, mais qui est structurée, puisque chaque digit est doublé, aura une complexité de Kolmogorov identique. À partir d'un programme qui engendre l'une, vous obtenez facilement un programme qui engendre l'autre sans beaucoup le rallonger, et réciproquement. Donc c'est ce qui justifie mon affirmation. Alors, est-il facile de calculer la complexité de Kolmogorov d'une suite? Et si oui, comment s'y prendre? Alors, il y a deux réponses, qui expliquent aussi d'ailleurs un peu la situation de méfiance de beaucoup de scientifiques vis-à-vis de la complexité de Kolmogorov. La première, c'est, mauvaise nouvelle, la complexité de Kolmogorov n'est pas calculable. Alors, en théorie du calcul, en théorie d'informatique, en informatique théorique, on démontre que certains objets ne sont pas calculables, c'est-à-dire que, quel que soit l'algorithme que vous pourrez imaginer, il ne fera pas le travail que vous attendez. Ici, il n'existe pas de fonction, donc de programme, qui, quand vous lui donnerez S, vous donnera au bout d'un temps fini la complexité de Kolmogorov de S. Donc, il n'existe pas d'algorithme, je dirais, qui fasse le calcul parfaitement pour toute suite S. Donc ça, c'est un résultat d'informatique théorique qui n'est même pas très difficile à démontrer. Donc ce n'est pas calculable, c'est navrant. Donc on ne peut pas l'utiliser. Il y a une propriété qui est pire, que j'énonce sans trop m'y attarder, c'est qu'en fait, si vous vous donnez un système mathématique précis, comme par exemple la théorie des ensembles, utilisé par Bourbaki dans son grand traité, donc c'est un système précis, il y a ce qu'on peut démontrer avec, il y a ce qu'on ne peut pas démontrer avec. Alors on sait, d'après les théorèmes d'incomplétude de Gödel, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas démontrer avec et qui concernent les entiers. Il y a des propriétés des entiers qu'on ne peut pas démontrer avec le système précis qui est dans le Bourbaki. Et c'est vrai de n'importe quel autre système, on parle de système formel, il y a toujours des trous. Le théorème d'incomplétude de Gödel, c'est ce qu'il dit. Il dit, quel que soit le système que vous donnez, il y a des trous. Et bien parmi les trous, parmi les choses qui sont vraies concernant les entiers, et qu'on ne peut pas concernant d'autres objets mathématiques, et qu'on ne peut pas démontrer avec la théorie du Bourbaki, donc la théorie des ensembles du Bourbaki, il y a la plupart des énoncés de la forme K de S égale N. Un énoncé de la forme K de S égale N, quand vous avez choisi le langage de programmation, en fait, c'est un énoncé qu'on peut traduire dans le langage arithmétique, c'est un énoncé d'arithmétique, c'est un énoncé qui concerne les nombres. Et quand vous vous donnez une suite précise, par exemple, je ne sais pas, 0, 0, 1, bon, vous avez choisi un langage de programmation précis, il a une certaine complexité de Kolmogorov, et l'énoncé de la complexité de Kolmogorov de 0, 0, 1 est 3, par exemple, si c'est le cas, ben c'est un énoncé mathématique qui est peut-être démontrable dans la théorie en question. Oui, il peut être démontrable, et c'est sans doute le cas si on prend une suite très simple, mais le nombre de suites S dont une théorie donnée peut trouver la complexité de Kolmogorov, comme je viens de donner un exemple, il est fini. Autrement dit, tous les énoncés de la forme K de S égale N sont des indécidables de Gödel pour le système en question, sauf un nombre fini.
C'est-à-dire que la complexité de Kolmogorov, non seulement elle n'est pas calculable par un algorithme, mais quand vous vous donnez une théorie mathématique, même si elle est puissante, ce qui est le cas de la théorie des ensembles, eh bien, cette théorie puissante ne peut en trouver qu'un nombre fini. Elle ne peut identifier la complexité de Kolmogorov de suite S que pour un nombre fini d'entre elles. Alors, j'insiste pas là-dessus. Je passe à la bonne nouvelle. La complexité de Kolmogorov est approchable. Alors, voilà, il existe une suite d'algorithmes que je pourrais décrire en quelques mots, mais je vais aller à la seconde partie de l'exposé où je parle de complexité organisée. Donc, il existe une suite d'algorithmes, K0, K1, Kn, qui calculent un certain entier pour chaque suite S qu'on leur donnera, et qui vont donner, cette suite d'algorithmes va donner à chaque fois une suite décroissante d'entiers qui va converger vers K2S. C'est-à-dire, soyons précis et donnons un exemple. Si vous prenez une certaine suite S, vous allez peut-être obtenir avec K0, 143, avec K1, 23, ensuite 22, 20, 20, 20, 15, 15, 15, 15, 8, 8, 8, 8. Et puis, au bout d'un certain temps, ça va se stabiliser, puisque c'est une suite d'entiers décroissante. Et puis, quand ça se stabilisera, ça sera la complexité de Kolmogorov. C'est ça que j'entends par K2S est approchable. Donc, si vous disposez de cette suite, et c'est une suite concrète, hein, c'est pas une chose abstraite, vous avez, d'une certaine façon, un moyen de calculer la complexité de Kolmogorov. C'est en ce sens-là que je dis qu'elle est approchable. Mais alors, vous êtes en train de vous dire, oui, mais ça contredit totalement ce qu'il vient de dire avant. Non, ça contredit pas. Parce que malheureusement, quand vous allez être arrivé à 8, 8, 8, 8, 8, vous ne savez pas si ça va rester toujours à 8. Vous ne savez pas si, au bout de 50 milliards d'itérations, ça ne passerait pas, par exemple, à 7. Et cette impossibilité de savoir qu'on est arrivé au point où la suite est stabilisée, c'est ce qui rend les deux choses compatibles. L'incalculabilité que j'évoquais à l'instant et cette décroissance. Donc, c'est approchable, mais on ne saura jamais, il n'y a pas de moyen qui marche à tout coup, qui permet de savoir qu'on est arrivé au bon point. Alors, voilà. J'en reviens aux approches pratiques, à l'intérêt pratique de cette notion. En fait, on va pouvoir utiliser la complexité de Kolmogorov en pratique, et je vais donner des exemples d'utilisation, en utilisant les algorithmes de compression de données que j'évoquais tout à l'heure. En fait, quand vous utilisez un algorithme de compression de données, cet algorithme, il est forcément associé à un algorithme de décompression. Et cet algorithme de décompression, vous pouvez le voir comme une sorte de langage qui prend le fichier comprimé, qui le fait fonctionner et qui reproduit la suite S. Et du coup, vous pouvez voir cet algorithme de décompression comme un langage d'expression de suite S. Et du coup, si vous faites cette assimilation-là, qui est tout à fait légitime, la taille du fichier comprimé va pouvoir être assimilée à la taille, non pas du plus court programme, mais un des courts programmes S étoile qui calcule S, et donc la taille du fichier comprimé de S par un algorithme de compression donné, celui que vous aimez bien, va pouvoir être considéré comme une valeur approchée de K de S. Donc K de S, grâce à n'importe quel algorithme de compression, vous pouvez l'approcher et avoir une idée de ce que c'est que K de S, c'est la taille du fichier compressé. L'indécidabilité, j'y reviens une seconde, a pour conséquence qu'on ne sera jamais certain, quand on utilisera un algorithme de compression, qu'il n'est pas passé à côté de quelque chose de très important qui lui aurait permis de faire beaucoup mieux. C'est ça en fait l'histoire. Les algorithmes de compression, ils recherchent des régularités statistiques ou d'une autre nature, et puis ils les exploitent pour exprimer le fichier S que vous leur donnez sous un format plus court. Eh bien, l'indécidabilité va ici avoir pour conséquence que jamais aucun algorithme de compression ne sera garanti comme ne passant à côté d'aucune régularité. Chaque algorithme de compression aura ses faiblesses, il passera à côté de certaines régularités. Alors, c'est là où je fais un petit... Je vais montrer des images pour illustrer un peu concrètement les choses. Voilà, donc c'est une image, on ne la voit pas très bien, bon. C'est l'image du volcan Bromo. Et c'est dommage, on ne voit pas le bas. Donc j'ai dessiné à l'intérieur de cette image, qui est normalement très belle, c'est pas très clair ici, j'ai dessiné des fenêtres qui ont toutes la même taille. On va les voir. Et chacune, je l'ai confiée à un algorithme de compression qui donc a
donner une version de la suite correspondant au pixel sous un format compressé qui a une certaine taille en kilooctets. Alors on va les voir. Donc il y a 6 sous-images. Alors une image blanche a priori avec l'algorithme PNG prend 52 kilooctets. C'est beaucoup. On pourrait faire beaucoup mieux, mais il se trouve que PNG fait ça. Pour une image de cette taille-là, c'est à peu près 500 x 500. L'image du ciel tout bleu, qui est uniforme, c'est une image qui n'est pas très complexe. Elle fait un peu plus que l'image toute blanche, parce que malgré tout, il y a des nuances de bleu. Elle fait 324 kilooctets. Donc c'est une mesure de sa complexité de Kolmogorov, 324, par l'algorithme PNG. Ici, le panache de cendres lancé par le volcan. Il y a beaucoup de bleu dans l'image, donc c'est une image qui n'est pas très très compliquée. Le panache lui-même est un peu compliqué si on veut, mais enfin, ça reste raisonnable. On est passé de 324 à 400 kilooctets. Le sommet d'un cône volcanique, un peu plus compliqué, il y a des traînées au sommet, 416, 420 pour un autre élément du paysage où il y a un buisson, 512 pour un autre élément du paysage, 544, donc c'est des images, alors c'est pas oui, on ne les voit pas très bien, c'est des images qui sont de plus en plus complexes au sens de l'algorithme PNG, donc dans un sens approché de la complexité de Kolmogorov. Après ici j'ai rajouté 2 images, et l'image la plus complexe qu'on peut obtenir, c'est une image de ce type-là, c'est une image aléatoire. C'est les images les plus complexes qu'on peut faire, celles qui vont être le moins bien compressées par l'algorithme PNG, ce sont des images de ce type-là, où tous les points sont de couleurs différentes et mélangés un peu n'importe comment. Donc voilà, une illustration concrète. Alors, les applications de cette notion, je vais les évoquer, et je me garde quand même 5 minutes au moins pour le reste. Je vais les écouter rapidement, sont basés sur la notion de distance informationnelle. L'idée, c'est de dire, la complexité de Kolmogorov, c'est bien pour mesurer la complexité des objets, mais ce n'est pas ce qui intéresse le plus les gens. Ce qui intéresse le plus les gens, en particulier en biologie, c'est de calculer des distances, par exemple, entre séquences génétiques. Ou, les gens qui font de la linguistique, ce qui intéresse les gens, c'est de savoir si les textes sont très différents les uns des autres, etc. Donc, il y a une notion de distance qui va être simplement une notion de complexité de Kolmogorov relative. On va supposer que l'algorithme dispose comme information d'un certain objet et qu'il essaie d'avoir une version comprimée la plus efficace possible en utilisant éventuellement les informations qu'il y a dans l'objet dont il dispose. Donc ça va être une notion relative. À partir de cette notion relative, on définit ce qu'on appelle des distances informationnelles. Ce sont des pseudo-distances, si on veut être très rigoureux sur un plan mathématique. Et puis, ça permet de reconstituer des arbres phylogénétiques. Une expérience qui a été faite, qui est assez spectaculaire, c'est de classer les langues indo-européennes à partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc en italien, en anglais, en français, etc. Et puis on calcule avec un procédé basé sur des algorithmes de compression la distance entre ces traductions. Et à partir de ces distances entre traductions, on établit un arbre phylogénétique, enfin, entre guillemets, phylogénétique des langues européennes. Ça peut être utilisé pour classer des morceaux de musique, pour faire du traitement d'images, de séquences vidéo, pour détecter du spam et puis pour d'autres choses encore, toujours avec cette notion de distance. Je vais juste illustrer ça avec la classification qui a été faite des mammifères par cette méthode-là. Qui est tout à fait conforme à ce que les biologistes produisent par d'autres moyens, en considérant soit des caractères morphologiques, soit d'autres méthodes à partir du génome. Donc c'est une méthode basée sur les algorithmes de compression et donc le calcul approché de la complexité de Kolmogorov, qui fonctionne bien. Alors, là, c'est des langues indo-européennes, mais comme on ne voit pas très bien leur nom, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ça correspond aussi à ce que les linguistes considèrent comme raisonnable pour une telle classification. Donc, on peut dire que la complexité de Kolmogorov, c'est une mesure de complexité aléatoire, de contenu incompressible d'informations, c'est la définition, et puis on peut donner un sens mathématique précis à incompressible, imprévisible, et une suite qui possède une absence de structure. Moins il y a de structure, plus la complexité de Kolmogorov est élevée. Et dès que vous repérez une structure, quelle qu'elle soit, statistique ou autre, dans une suite, vous pouvez l'exploiter pour la comprimer, et donc sa complexité de Kolmogorov va se trouver diminuée en utilisant, par exemple, cette structure que vous avez repérée. La théorie de la complexité de Kolmogorov est utilisée par les physiciens, en particulier en thermodynamique.
Elle est utilisée aussi en épistémologie, en psychologie, en finance. En mathématiques, elle permet parfois de produire des démonstrations nouvelles de résultats classiques. Il n'y a pas de démonstration vraiment spectaculaire de résultats nouveaux, mais c'est un moyen aussi de démonstration en mathématiques. Et ça permet de définir une notion de suite aléatoire qui est parfaite, ce que les mathématiciens n'avaient pas fait. Il y a peu de gens qui ont conscience de ça, mais en mathématiques, on ne définit pas ce qu'est une suite aléatoire de infinie de 0 et de 1. On parle de probabilité, on parle d'espace de probabilité, mais justement, on se ramène toujours à des notions qui sont relatives et on n'a pas une notion absolue de suite aléatoire de 0 et de 1 que la théorie de la complexité de Kolmogorov produit. Donc c'est une utilité mathématique aussi. Alors, revenons au problème de la définition de la complexité organisée. La complexité de Kolmogorov ne convient pas. Parce que si on considère, par exemple, un cristal, donc un milliard de chiffres de pi, un ordinateur dont on a pris, par exemple, une photo très précise et dont on fait une représentation à l'aide d'une suite de 0 et de 1, ou un nuage, par nuage, j'entends un gaz, une suite aléatoire de 0 et de 1, on a une complexité de Kolmogorov qui va de faible à grande. Or, un nuage, ça n'est pas structuré. Il n'y a pas de structure. Il y a du désordre. Enfin, je parle d'un nuage parfait, donc j'aurais mieux fait d'écrire un gaz. Il n'y a pas de structure dedans. Une suite aléatoire, il n'y a pas de structure. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas du tout satisfaisant. Les objets les plus structurés dans ce que j'ai envisagé ici, ce sont l'ordinateur, j'aurais pu mettre un être vivant éventuellement, ou une ville, ou quelque chose comme ça, ce sont eux qui devraient avoir, si la complexité de Kolmogorov était une mesure de complexité organisée, c'est eux qui devraient avoir la plus grande complexité. Donc, c'est clair, la complexité de Kolmogorov n'est pas une mesure de complexité d'organisation. Ça, il faut bien le comprendre. Il y a Prigogine avait fait cette critique, et il avait parfaitement raison. Alors, comment s'y prendre? Il me reste malheureusement que 5 minutes. L'idée, c'est de dire, peut-être que la notion de complexité structurelle, de complexité organisée, ça serait lié à la quantité de calculs présente dans un objet. Plus un objet va être structuré, plus il va contenir une sorte de trace qu'il est le résultat d'un long calcul. Le terme de calcul étant pris ici dans un sens général. L'évolution, c'est une sorte de calcul, si on veut bien l'admettre. Alors, cette idée-là a été explorée de plusieurs façons. Il y a eu toutes sortes de tentatives qui se sont révélées dans un premier temps infructueuses. On a utilisé les classes de complexité, P, NP, etc. Et puis finalement, troisième tentative, je saute les premières, Charles Bennett a proposé une définition qui semble toucher le but. Et donc il propose la chose suivante, qui n'est pas du tout évidente. Hein. C'est pas du tout évident, c'est pour ça qu'on a mis tant de temps. La définition a été proposée qu'en 1977. Donc, ce qu'on appelle la profondeur logique de Bennett, et qui est une tentative pour exprimer cette notion de mesure de complexité organisée, c'est le temps de calcul du programme minimal S étoile qui produit S. Ça n'est pas le temps de calcul du programme le plus rapide qui produit S. Ça, c'est une idée qui ne marche pas. C'est le temps de calcul du programme S étoile. Donc, la profondeur logique de Bennett, pour la calculer, pour en disposer, il faut procéder en deux étapes. Dans une première étape, on recherche le programme minimal, et dans une seconde étape, on regarde combien d'étapes de calcul il utilise pour produire la suite S. Alors, il y a toutes sortes d'arguments en fonction pour défendre cette idée. Je vais juste en évoquer deux. D'abord, quand on reprend la suite des objets que j'avais évoqués il y a quelques secondes, eh bien, cette fois-ci, ça marche. Alors, ça marche parce que, justement, le nuage ou le gaz, ou ce que j'ai considéré comme une suite aléatoire, eh bien, elle va passer de grand, sa complexité de Kolmogorov est grande, elle est maximale pour une suite aléatoire, à faible. Pourquoi ? C'est vraiment un point essentiel à comprendre. Eh bien, parce que quand vous avez affaire à une suite qui est vraiment aléatoire, le programme le plus court, c'est le programme print s. Vous ne pouvez pas faire mieux. Vous pouvez essayer de faire mieux, mais vous allez perdre votre temps. Et ce programme print s, si vous utilisez un ordinateur raisonnable, il va s'exécuter très rapidement. Et du coup, la profondeur logique de Bennett, d'une suite aléatoire, va être faible. Et elle va être beaucoup plus faible que celle d'une fractale ou que celle de pi, qui, à cause de la complexité
qui va être du nombre d'étapes de calcul qui vont être nécessaires pour développer le contenu algorithmique qu'il y a dans la définition vont être très longues. Je termine par un dernier point, c'est quelques images. Alors, comment calculer la complexité, la profondeur logique de Bennett? Alors, il y a deux séries d'images, les mêmes sept images, et qui sont classées par complexité de Kolmogorov croissante. Alors, on ne les voit pas très bien, je vais vous les montrer individuellement après. On ne les voit pas très bien, et qui sont classées par profondeur logique de Bennett croissante. Pour illustrer aussi la différence entre les deux. Alors, comment on les a classés par complexité de Kolmogorov croissante? On les a classés simplement en prenant en compte la taille du fichier compressé qui est une mesure approchée, comme je l'expliquais tout à l'heure, de la complexité de Kolmogorov. Alors l'image toute noire, bah oui, elle a une forte complexité, elle a une très faible complexité de Kolmogorov, elle est toute noire. Donc, l'algorithme qui le produit est très simple. Ensuite, il y a diverses images. Alors, il faut que je les commente un petit peu parce qu'on ne les voit pas très bien. Ici, vous avez un microprocesseur, l'avant-dernière, et puis la dernière, c'est une suite aléatoire de 0 et de 1. Représentés par des pixels blancs et des pixels noirs. Chaque image n'est composée que de pixels blancs et de pixels noirs. L'image qui est ici, c'est un réseau périodique, et là, c'est un fractal. On ne le voit pas très bien, mais c'est une courbe de Peano. Et ici, c'est un motif à partir d'une surface d'eau. Donc voilà. Ce qui est classé en dernier, quand on considère la complexité de Kolmogorov mesurée par la taille du programme compressé, c'est le fichier aléatoire, c'est normal, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fichier correspondant à un microprocesseur, ben, il est quand même avant-dernier, parce qu'il est assez complexe. Aujourd'hui, les microprocesseurs, vous savez, peuvent avoir jusqu'à plusieurs milliards de transistors. Et puis, les autres objets sont classés assez naturellement par complexité croissante. Maintenant, pour calculer leur profondeur logique de Bennett, j'en ai pour une seconde, on utilise... Et je ne veux pas prendre le temps de le justifier, le temps de décompression que l'algorithme de compression dont a besoin l'algorithme de décompression pour reproduire l'image. Donc c'est le temps de calcul de décompression. Et on obtient bien que l'image noire est la moins complexe au sens de la profondeur logique de Bennett, l'image aléatoire vient juste derrière, et puis les autres images, et ici c'est un petit peu, j'ai un peu choisi ces images-là pour que ce soit spectaculaire, le microprocesseur est classé en dernier, c'est lui le plus complexe. Donc je ne dis pas qu'aujourd'hui nos méthodes pour calculer la complexité organisée vont fonctionner à tout coup et parfaitement, mais on est en train de mettre au point des méthodes qui vont permettre de calculer cette complexité organisée des images, et qui ne doit pas être confondue, c'est mon dernier mot, avec la complexité aléatoire. Voilà. Society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future.